J'ai pas spécialement envie de descendre. Hein. Bon, ça s'ouvre pas déjà. Bon, si on allait lui péter la gueule à lui, allez. J'aurais aimé que l'effet soit un petit peu plus violent. Ça fait plus genre décharge magique. J'aurais presque préféré un effet fusil à pompe. Ça aurait été un peu plus jouissif, mais bon. Mais cela dit, quand même, c'est intéressant qu'on ait du combat dans ce jeu-là. Je m'attendais pas du tout à ça. Pas avancer là. Non. Il faut une accréditation 5 pour passer là. Mais depuis quand je l'ai celui-là? Les toilettes. C'est des runes même dans les toilettes. Les runes qui ont visiblement été gravées à la main. Hein. À mon avis, elles devaient pas être là à la base. Et là, j'ai rien pour me recharger tout de suite, hein. Non. Ok, où est-ce qu'on est ? Bureau visiblement, avec encore ces... Je sais même pas ce que c'est que ce bordel, non mais sérieusement, c'est tellement moche. Les types qui ont fait de la modélisation 3D là, il y en a un qui s'est dit, vas-y, on va faire une console. Un truc dégueulasse. Ça fait... J'ai vraiment... Quand vous voyez le détail de certains trucs, et quand on voit ce truc là, putain, on dirait vraiment un truc qui vient des années 60, quoi. Un peu comme ça. Avec des textures dégueulasses, là. C'est vraiment dégueulasse. Hein. La texture, bon, à la limite, ça va, c'est en l'air. On regarde pas trop en l'air. Mais ça, par contre, hein, quelle horreur! C'est peut-être ce qui fait le plus peur dans le jeu, pour le moment. C'est ce truc-là. J'ai presque l'impression qu'ils l'ont pas modélisé eux-mêmes, mais qu'ils l'ont pioché, genre, sur une banque d'objets 3D sur Internet, quoi. Eh ben, il y a quoi à faire ici? Je suis pas venu pour rien, attendez. Il y a un truc là, il y a un truc. Ah bah oui, bien sûr, activer le verrouillage du niveau inférieur. Et ça fait quoi? Ça a changé quelque chose?
Oh, il y a un objet là, je l'avais pas vu. Mais attendez. Ah oui, c'est de là que je venais, moi. Je vais aller me refaire une santé. D'accord, et donc ça a ouvert... Ok, ça a ouvert toutes les autres portes. D'accord, oui, ok. Effectivement, oui, je suis repassé par là, alors que oui. Tout est ouvert maintenant. B1, B2. On a quoi dans B1? Je vais recharger mon, mon Bifrost, là. Monte. Putain. Attendez, il y a un truc qui a failli me sauter sur la gueule là. Saloperie, va. Ah oui, regardez-le. Bah, je dis on va descendre, on va lui défoncer sa race. Bim! Dans la gueule. Ok. Mais j'avais pas vu qu'il y avait cette porte qui était ouverte en fait. Hein. C'est ultra bruyant comme, comme zone. Hein. Alors il me dit qu'il faut grimper là. Avec une inscription, mais je sais pas ce que ça dit. Il y a quoi par ici? Et là on est au B2. D'accord, bon bah tous les chemins mènent à Rome. Hein. J'ai l'air tranquille. Ok, 4673. Alors je sais le code de quoi, je ne sais pas. Putain, j'ai entendu des bruits de pas, ou c'est moi? Donc oui, mais c'est le code de ça, bien sûr, oui, effectivement. Je regarde par là, je me dis, tiens, il y a un message, mais oui, il y a un truc de code, là. Donc, alors j'ai déjà oublié le code, par contre. 4673. 4673.
4, 6, 7, 3. Ok, on est reparti. Non, ça c'est les chiottes. Il y a un truc qui m'impressionne quand même. Alors j'avais vu ça dans la c'était dans la séquence d'intro déjà, ça m'avait impressionné. Putain. Et là je le vois quand elle chope la boule, c'est la globalement la modélisation et l'animation des bras. Je trouve que c'est super c'est super plutôt bien foutu. C'est pas très français ce que je dis mais c'était quoi? C'était 46, 73. Ça fait un peu penser à Dead Space. Là, je m'imagine bien dans Dead Space, les longs couloirs, là, on rentre dans un couloir, le truc se verrouille derrière nous. Et là, d'un seul coup, il y a des putains de nécromorphes qui arrivent de partout, là. Des bouches d'aération. Attendez, wait. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Oh shit. Mets-toi pourriture. Ça c'est pour ta sale gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de carte. Des bidules et des machins choses. Ascenseur. Ok, bon. Prenons donc l'ascenseur. Je sais pas sur quoi on va tomber. Dans la recherche médicale. Ah! Pas de décontamination? Bon. Une batterie.
je peux pas y aller. Celle-là est foutue. Ça, c'est foutu aussi. Sinon, un couloir qui continue par là-bas. Je me demande s'il parlerait pas à tout hasard de l'espèce de créature que l'esprit a envoyé à nos trousses. Alors, j'aimerais voir à quoi ressemble cette batterie là. Ok, mon avis, on va pas faire grand chose là-dedans. On va pas faire grand chose pour le moment. On reviendra. Des bons jeux de lumière, je trouve. Hein. Substance infectieuse. Je commence à capter, mais j'ai pas remarqué que dès que je m'approche d'un objet ou d'un autre truc, il y a une espèce de son qui se fait entendre. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, je crois qu'il s'agit en fait... au début, je pensais qu'il s'agissait de l'ambiance sonore, hein, tout simplement, parce qu'on entend plein de bruit un peu tout le temps. Et en fait, non. Dès le moment où je m'approche d'un objet, il y a un son. Quand je m'approche des objets collectables, il y a des... collectionnables, il y a des... un son qui se fait entendre. Quand c'est un espèce de truc de recharge, là, il y a un autre son. Enfin, et quand j'ai une note, c'est encore autre chose. Ok, bon, ça... Ah merde. Il y en a un par là. Yes, il y en a un. Pour ta sale gueule. Par contre, s'il y en a un deuxième, je suis dans le caca. Parce que là, j'ai... pas de recharge tout de suite, là. Ou alors, faudrait que je revienne en arrière. Non, on va la faire... on va la jouer à... Putain! Oh, mais... Et, ils sont flippants avec leur son, là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui arrive de derrière moi. Il y en a un deuxième, c'est pas possible. Enfin, ça m'étonnerait pas, hein, mais... Oh, c'est horrible, il s'ébruite pas derrière moi, là. Putain, oui, il y en a un là, mais il bouge pas. Donc je vais pas m'approcher, il a pas l'air de... Il a pas l'air de faire quoi que ce soit. Oh, il y en a un... Oh, merde.
Bon, il m'a pas suivi, je suis content. Bon, il faut que je revienne me recharger parce que... Alors, je sais pas où, là, par contre, hein. J'ai pas de recharge, là. Comment je vais faire? Il faut que je revienne en arrière. Mais attendez, j'ai pas pris l'ascenseur pour venir là? Ah mais si, mais comment je fais là, attendez? What? C'est... Ou alors non, enfin je suis con, mais... Enfin je dis ça, mais en fait je suis con, je dis pour me recharger, mais j'ai plein de recharges sur moi en fait, donc... on va faire ça, hein. On va faire ça. On n'a pas le choix, là. Hein. J'en ai combien? 32? Bon, c'est bon. Je vais m'en remettre, hein. Je vais m'en remettre. On va lui péter la gueule, à lui, au bout, là. Il est toujours là, mais il ne bouge toujours pas. C'est lui là qui m'intéresse, là, je viens de le voir passer. Ça se trouve, il y a moyen de le... Ça se trouve, il y a moyen de les esquiver. Oh, leur bruit de bébé là, c'est dégueulasse. Où est-ce qu'il est ? Alors le truc c'est que s'il est pas tout seul... Hein. Où est-ce qu'il est putain? Mais il y en a un autre, c'est pas possible encore. Oh ta mère. Shit. Je me suis dit, le jeu va pas faire peur. Il est un peu stressant quand même. Hein. Il y en a un autre là. Ouais, il y en a un autre devant là. Donc je vais pas en approcher. On va rester par là. Tranquillement. Arrêtez avec vos sons là, bordel. Ah les salauds. Ah, il y en a un devant. Je sais pas où il va par contre. Mec, tu vas où là? Ok, il fait demi-tour. Ok, il s'arrête là. Je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Et on en profite. On passe. Cette zone a l'air relativement sûre pour le moment.
Oh, eh bah, ben, je m'attendais pas à ce que le jeu. Après, je suis con parce qu'effectivement, dans Unforgiving, il y avait quand même un petit peu de ça, mais. Je me suis dit, vu qu'on a un bras, je me suis dit. Enfin, un bras, lol. Vu qu'on a une arme. Parce que vu qu'on a un bras, c'est... je me dis, vu qu'on a un bras, on va pouvoir se défendre, mais. Beaucoup de jeux d'horreur dans lesquels les personnages ont des bras, ils peuvent pas se défendre pour autant. Hein. Mais là, vu qu'on a une arme, je me suis dit, on va shooter du monstre à l'appel, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, j'aurais pu, mais. Je pense qu'il faut. J'ai bien fait de pas les désinguer à tout bout de champ, quoi. Je pense que c'est pas du tout ce que le jeu attend de nous. Même s'il nous en donne, je pense, la possibilité, en tout cas partiellement, jusqu'à ce qu'on ait plus de munitions, ou alors, si jamais on se fait repérer, on a la possibilité de pouvoir se défendre. Ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que dans Unforgiving, dès le moment où on se faisait choper, c'était la mort, quoi. Il y en a en face, là, juste en face, là, ici, là. Là, en face, là. Voici ces deux petits yeux qui brillent, là. Ou alors, non, c'est... En fait, non, c'est... Ah non, c'est juste des lumières. Oh, bah ça va, alors. Parce que je vois qu'il y en a là aussi, et puis là. Je pensais que c'était des strums, ils ont les mêmes yeux. Ah, là, par contre, là, c'en est un, là. On est d'accord. Hein, celui-là, il bouge. Celui-là, il bouge pas. C'en est pas un. Mais celui-là, si. Ah, il y en a deux! Mais non, ça c'est juste des lumières, c'est... Bon, alors... Il va peut-être falloir que j'en shoote un en bas, hein, je pense. Oh, mais attendez, il y a de quoi se recharger, là. Oh là 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 là, mais je vais pouvoir... Si, allez, hop, on va pouvoir shooter du monde, là. On va se recharger tranquillou. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je le shoote? Ah oui, il faut que je le shoote. Très bien. Qu'est-ce qui fait ce bruit, hein? J'ai aucune idée de ce qui fait ce bruit-là. Je pense que c'est un objet ou je sais pas trop. Alors, attendez. Je suis venu d'où, moi? Je suis venu de... Je vérifie que j'ai rien oublié, mais... Non, il y avait rien, là, hein. Ça, c'est l'endroit d'où je suis venu, d'accord, ok. Il fait un bip bip là, c'est très bizarre. Il y a un truc juste là. C'est le bruit d'une note en plus, ça. Hein. Alors, est-ce qu'elle est pas plutôt à cet étage? Je vais attendre que le bifrost se recharge. Si, je l'entends de nouveau. Il doit être par là. Eh ben le voici. Ou alors non, c'est une puce. De la clé a déjà été scannée. Ah, c'est au cas où j'ai oublié une clé, non? C'est ça? C'est pas ça? C'est bizarre. Ah, il y en a une autre. Ah oui, non mais en fait, d'accord, c'est des cadavres qui ont des accréditations les mêmes que les miennes, en fait. On le sent bien ou on le sent pas bien, là? Qu'est-ce qu'on en dit? Ils sont là-bas, les deux. Ils étaient plus dangereux dans Unforgiving, hein. Parce qu'à peine je m'approchais d'eux, ils me collaient au basque. Oh, mais il y en a trois, en fait. D'accord.
J'ai pas envie d'avancer. Oh putain, y'en a un qui m'arrive de là, dessus là. Il avance, il lance pas, il fait quoi lui? Non, il s'est barré, d'accord. Je sais pas ce que je fais là, ni où je vais. Hein. Il y a Henrik qui essaie de me contacter, mais... Bon, en fait, je pense que je pouvais assez facilement les... Si j'essaie de grimper par là, y'a quoi? Ok. Ah! Il est où? Il m'a oublié? Déjà? Bah, il est ravide. J'ai l'impression qu'il est pas super agressif. Je vais mettre sa race. Mais je pense que de toute façon ça sert à rien d'aller... Ah si! Si! J'ai le 3. D'accord, donc il fallait bien que je monte ici. Eh, j'ai quand même bien fait. Il faut que je le voie, il est là-bas là. Il est là, je l'ai vu passer devant les trucs verts. Là. Allez, allez, ouvre ça, ouvre ça, ouvre ça, vite, 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 vite. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, bâtard, vas-y. Et là, la fameuse connexion. Donc maintenant, il peut accéder à toutes les infos qu'il veut. Et du coup, maintenant, bah, il faut faire chemin inverse. Enfin, j'imagine. Enfin, en tout cas, plutôt par ici. Je sais pas par où ça va m'amener, ça. Hop, oh, bordel à cul. Ça me donne pas spécialement envie de passer le sas, hein.